Bonjour à toutes et à tous, c'est Latendo et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Octopath Travelers 2. J'espère que vous allez bien, nous allons dans cet épisode commencer le chapitre final de Particio dans l'île de Rock. Mais avant cela, dormir à l'auberge pour pouvoir récupérer tous nos PT et nos PV. Alors, est-ce que nos personnages nous conviennent? Oui. J'ai envie de garder Oswald en mage pour le faire grimper et ainsi lui permettre de gagner en puissance. Herbe de guérison, ok. Pareil pour Cassie. Particio, il est l'inventeur. On verra, hein, Cassie, si on la garde ou pas quand, après avoir fait sa mission dans l'équipe. Je suis en train d'essayer de forger mon équipe de base. Et Oswald est quand même très puissant en mage. Je pense que c'est le seul qui peut être. Parce que Temenos, le problème, c'est que si je le mets pas en mage, j'ai plus les... Enfin, il est plus en magicien, quoi. S'il n'est pas mage, il n'est plus magicien. Où est la taverne? Il doit être pas loin, non? On a Rock qui se fait carrément une statue. Faire de l'île une île géante, c'est ce qui s'appelle voir les choses en grand. Bon sang, l'air est irrespirable sur cette île. Tu m'étonnes. Lancer de feuilles par milliers. Oh. Ça me plaît bien ça. Entrepreneur à succès qui s'est enrichi grâce à l'industrie du transport. Dernièrement, son entreprise a souffert de la rébellion de ses travailleurs exploités. Il demande une aide financière à la compagnie Rock, mais a été chassé sans ménagement. Lol. Ça, c'est pour les voler avec Throné. Hein. Par contre, lancer de feuilles par milliers, ça me plaît. On va les tester, espèce de malotru. Je vais t'apprendre à la politesse, moi. Eh oui. Vas-y, Ikari. Normalement, il devrait réussir. Il devrait. Ikari. Bah, je vais voir si il craint une faiblesse physique. Il craint la hache. Ok, il craint la hache. Lancer de feuilles par milliers. Aïe. Alors. S'il craint la hache, on va se mettre la hache. À moins qu'on se mette aptitude épéiste, on va mettre une insoumission, je crois. En 3 tours. Ok, on va faire ça. Puis là, on va faire aptitude épéiste une fois de plus. Et on va juste faire le katana revanchard. Voilà. Ça, dès qu'il va m'attaquer. Je vais faire des dégâts. Je suis empoisonné, c'est pas cool. Et il m'a enlevé mon insoumission, ça c'est très chiant. Aptitude apprise. Monte la défense physique de tous les alliés pendant le tour et leur permet d'esquiver une attaque physique. Ah ouais, mais ça coûte cher ça. Tu dépayistes. On va se remettre l'insoumission. Hein. Puis voilà. Hein. Vraiment, il m'embête. Il donnera des coups de bâton pour récupérer. Aïe. Mais je meurs. Ok, je me suis trop... Bon, alors on reprend. On va refaire un petit reset. Voilà. Hop. On reset. Merde, j'avais fait 5 katanas en charge, j'ai même pas eu le temps. Il fait de la magie, hein. En même temps, l'enfoiros là. On va juste y aller à la hache, je crois, et puis c'est tout. Là, il tape 3 fois, on va juste faire ça. Hop, nous on fait 0 dégâts élémentaires, ça c'est un peu le problème. Tu t'as prise, on va faire un soumission. On tape un peu plus, je sais pas combien de PV là. Ça m'arrange pas vraiment que ce soit à la hache. Aïe. My turn. On va faire ça, hein. Ah, il m'embête, ça. M'aveugler maintenant. Objet. Il est relou, hein. Annule. Toutes ces altérations d'état. Plutôt bien.
Alors je peux taper. J'ai envie de garder des PE, mais. En maître d'armes. Après ça, ça tape deux fois. Ça tape deux fois la hache. Axe of the Lionheart. C'est pas mal. Ok, là, il me brûle la gueule. On va être obligé de prendre des PV. Prendre tous ces PT, ces PV. Je peux pas juste rendre tous mes PV. Parce que je sais pas combien ça veut dire ça rend de PV ça. Rendre des PE. Non, faut rendre des PV hein. Rend beaucoup de PE. Rend beaucoup de PV à un allié. Ah, c'est pas beaucoup de PV ça, hein. Je suis désolé. Hein. Non, c'est pas grave. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup de PV. Oh, je suis obligé de faire des PV là. Obligé, je vais me rendre tout. Hein. Je suis obligé de rendre ça. Hein. Rendre tous ces PV. J'en ai plus? J'ai plus rendu tous ces PV. C'est... Ah. Ah mais si c'est là. J'arrivais pas à voir ce qu'il faisait lui. Non c'est fait parmi. Il a intérêt à me donner des thunes lui. En vrai j'ai presque envie. Augmenter mes dégâts comme ça. Là, il va me taper. Faire maître d'armes, on va faire la chasse au lion. Il va me retaper. Ah, il m'embête. C'est relou, hein. Il est relou, le gars. J'enlève tout. Il va me refrapper avec la foudre. Voilà, il est relou. Prepare yourself. I can I'll keep my friends safe. Il m'énerve. Et j'ai plus mon insoumission là. Ah bah non, il m'a tout enlevé. Ah oui, parce que ça guide toutes les altérations, mais ça enlève tout aussi. Ah, c'est relou, ça. Ah, bon, quand même. il m'a bien posé des soucis. En vrai. Il va falloir faire mieux. Chiant. Coûte 1000 feuilles et inflige tout autant de dégâts à un ennemi. PT Rocky 1000 feuilles. Ça inflige 1000 dégâts pour 1000 thunes. Ah, mais c'est naze. Lance cette feuille par milliers. Je pensais que ça nous faisait gagner des sous. Bon, bah non, du coup. 1000 feuilles pour 1000 dégâts, c'est. C'est un peu naze. Tout le tour pour ça. Bon, bah on va retourner à l'auberge. Pauvre Ikari. On a fait 10 minutes pour un combat. On a même pas pris la capacité. Ça valait le coup de regarder quand même. Mais... Elle était pas suffisamment intéressante. Bon, l'île de Roc. J'ai toujours pas de taverne là. Il y a le quai. Là, il y a une machin. Là, il y a ça. Ils nous vendent bien des trucs à un moment, non? En équipement. Manteau de célérité. On a un glaive. Arc long de virtuose. Bouclier de vivacité. Ça augmente la défense physique et élémentaire quand même de manière assez significative pour Particio. De même pour Casti. Ça enlève quand même pas mal les PV max. Je vais en acheter deux.
va s'en équiper et on va donner ça à Particio et à Casti. Voilà. Manteau de célérité. Ça augmente la vitesse. On va acheter un. On va le mettre sur Ikari, non ? Les bracelets critiques. Ça augmente les 50, c'est ça. Lève en métaux, on s'en fiche un peu le reste. Ok. Là, on a. Bon, pas vraiment besoin de grand chose. Et la taverne. Et. Où est la taverne ? Siège de la compagnie Rock. Qui est de l'île de Rock. Bah, elle devrait pas être très loin, la taverne. Là, voilà. Parfait. Équipement, écoutez une histoire. Chapitre 4. Particio a réussi à convaincre sa seigneurie à la ronde d'investir les fonds nécessaires. Apprenant la tenue d'une grande annonce à propos du moteur à vapeur sur l'île privée de Rock, il s'y rend non sans mal. Cela suffira-t-il à acter sa transaction avec le richissime ? Évidemment, je ne pense pas, mais... On espère juste que c'est pas une transaction frauduleuse non plus. Mais bon, connaissant Rock... Tu t'engages pas dans un nouveau contrat, quoi. Enfin, oui, voilà. L'île de Rock. Si, Mère Alron. Je vais pouvoir signer le plus gros contrat de toute ma vie. J'arrive, Monsieur Rock. J'ai 80 milliards dans mes valises. Rien que pour vous. Ah, quel spectacle magnifique. Tout est prêt pour commencer la production de masse. Les machines à vapeur vont non seulement changer toutes les technologies, mais aussi le cours de l'histoire. Et c'est à moi que revient l'honneur de toutes les posséder. Mais c'est pourquoi je ne te les céderai jamais, Particio. Parce qu'à travers elles, le monde entier m'appartiendra. Bien, le temps est venu d'en finir. On va devoir le tuer. Hein. Est-ce qu'il a lu le journal ? Parce que dans le journal, il y avait le fait que Particio avait réuni les 80 milliards. À ton avis, qu'est-ce que Rock peut bien vouloir annoncer aujourd'hui ? Il est déjà mis privé. Je ne sais pas pourquoi il voudrait encore plus d'argent. On verra bien, mais c'est probablement important. Oh, j'aime cette ambiance. Il n'y a que un air de fête. L'annonce sera faite là-bas, donc c'est par ici qu'on entre. Votre accréditation presse, s'il vous plaît. Pardon ? Acré quoi ? Si vous n'en avez pas, vous ne lui passez pas. Allez-vous-en. Hey, mais... Sympa les mecs, hein. Ah zut, ils ont l'air de bien s'amuser pourtant. Il va y avoir notre copine journaliste qui va venir. Et oui, voilà. Ah, Particio, vous voilà. Je suis soulagé. Vous avez pu venir ici sans encombre. Ori, tu tombes à pic. Pourquoi ? Vous avez un scoop à me proposer ? Non, j'ai pas de scoop, désolé. J'ai pas d'accréditation presse non plus d'ailleurs. Ah oui. Une accréditation. Pour tout vous avouer, moi non plus je n'en ai pas. Ah, problématique. Ah bon ? Mais du coup... Ah, vous en faites pas. Je connais un moyen. Il y a un autre chemin qui mène au podium. Non, c'est vrai ? Hey, je suis journaliste, moi. Je sais tout. Venez par ici. Tintin.
Bon bah repartons alors. C'est vrai qu'une accréditation presse pour juste Partitio, mais on est 6 derrière, c'est... c'est un peu louche. Ah non, pas par là. Hop. À la taverne. Ah. Les portes dérobées. Il y a un passage, mais comment t'as découvert ça? Ah, ça, c'est un secret professionnel. Ne perdons pas de temps. Bah, allons-y alors. Siège de la compagnie Rock. Effectivement, un bon passage dérobé. Tour ouest de la compagnie Rock. Bon, bah, on va devoir taper du genre. Dans le jeu de niveau 45, généralement. Nous y voilà, la salle se trouve juste là-bas. C'est un peu le quartier général du lieu. Hé, hey, qui va là? On s'est fait repérer. Partitio, je m'en occupe. Ori, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Partitio, je suis contente de vous avoir connu. J'ai pu rencontrer beaucoup de gens de par mon métier, mais je n'avais jamais vu quelqu'un comme vous. Je vous aurais bien observé d'un peu plus près et vous aurez apporté un peu de bonheur dans le monde. Mais j'ai bien peur que c'est ici que nos chemins se séparent. Fais genre, elle se sacrifie, mais c'est bêta. Partez, il en va du sort des petites gens de ce monde. Qu'est-ce qu'elle fait? Ori, partez, Partitio, et je vous en prie, ne vous retournez pas. Ori, pardon. Mais Partitio, tu peux lui donner deux coups de latte et puis c'est fini. Mais, il est sérieux, Partitio? Miss? Hey, mademoiselle. Je suis mal au ventre tout à coup. Tenez bon, tout va bien se passer. Moi, c'est une bonne comédienne. Je suis désolé, monsieur, mais là, le journal de demain dira... Rogue Brianté annonce un heureux événement. Et du cas, ça m'en a tout l'air. Ah, mon ventre. Oula, j'ai pas signé pour ça. Aidez-moi les gars, faut la transporter. Ok, ça va. Elle s'en est bien sortie. C'est un peu con ces gardes. Disons qu'ils nous ont pas vus. Oui, ils ont juste entendu du bruit. Monsieur Rock, Monsieur Rock. Quelle est donc cette annonce importante? Qu'allez-vous faire des machines à vapeur? Le monde veut tout savoir. Mesdames et messieurs, silence, je vous prie. Écoutez bien, car cette annonce va tout changer. Je veux vous parler d'une affaire qui va révolutionner le monde. Comment va-t-il nous la mettre à l'envers? On ne sait pas. Pimpin. Puis sur plus pour les conversations de personnages. Ori est vraiment admirable, n'est-ce pas? Elle n'a pas hésité à faire barrage de son corps pour te permettre de réaliser ton rêve, Partitio. C'est vraiment quelque chose de beau, ce qu'elle a fait. Ouais, elle veut la paix dans le monde et le bonheur des gens. C'est vraiment une chic femme. J'ai plus le droit à l'erreur maintenant, ne serait-ce que par respect pour son dévouement. Oh, je suis sûr que tu y arriveras, Partitio. Eh bien, dans ce cas, allons-y. En cas de pépin, je te couvrirai. Cimer, Casti. Il a juste la voix qui sature, mais sinon, c'est vrai. Hein. Ah, il y avait un point de sauvegarde, là, zut. J'ai pas sauvegardé. Hop. C'était sûr. Hein. Pff, il ressemble les combats. Ok. My turn. Nous avons la lance, la hache, l'épée. Ok, personne ne craint rien. La petite chute à prise, tranchage triple. Toi, tu dégages. Time to strike. Ou presque. Ensuite, toi, tu tapes deux fois la hache. On tape pas une seule fois.
est parti sous la lance. C'est très bien. Allez, un petit coup de bâton et ça suffira. Et ça dégage. Hop. Les petits 10 000 dégâts là, à toute l'équipe. C'est pas mal. On peut descendre là. On peut descendre. Je sais pas s'il y a ici, mais. On peut y aller. Un coffre. Panier de prunes stimulantes. Bon. Plutôt pourquoi pas. Allez, un combat de plus. Ce qui est bien, c'est qu'on est quand même repéré, donc en fait ça valait le coup. On attaque par surprise. Chiant. Ok, alors partition. Paf, paf, attaque à la lance. Casti, attaque à la hache. Et Ikari, tranche hache triple. Oswald, la foudre. Strike them down. You're finished. Prepare. On va faire la taille à l'envers. Voilà. Pas besoin de plus, je crois. I still have much to learn. Non, beaucoup à apprendre, Ikari. Je suis pas sûr. Ça me paraît pas. Pas si certain. Il y avait des coffres en dessous, je me demande comment on les atteint. Par là sûrement. Un peu par là. Ah là, il y a un coffre. Il y a un combat également. Peut-être les mêmes. Pas tout à fait, non. Crène l'arc. Flèche multiple. Oh non, il s'est raté sur la dernière. Pas comme ça. Prenne pas l'arc. La hache. Zut. On va en enlever un quand même. Aïe. Pas qu'ils s'y craignent, la lumière peut-être. La lumière du jour, allez. On y croit. Non. Hop. Here I come. It's over. Brent. Yeehaw! Let's do it. Et des PC. Combien de temps gagne? Mais il est 2. Non, 38. C'est un peu l'équivalent de 2 quand même, mais. Mais bon, les PC c'est cool. Alors. Litchi. Ok, on redescend. Ouais. Il y avait un truc là, non? Non, il n'y a rien, ok. On aurait cru qu'il y avait quelque chose. Pas du tout. Ok, pierre de feu. Tintin, tintin. Elle est grande, son usine. On va louper tout le discours là. Alors. On roule la lance. Now it begins. Allow me. Je sais même pas s'il y a besoin de faire ça. Je sais pas combien de PV ils ont, mais si, ils doivent avoir. Ouais, ils doivent avoir 5000 PV quand même. Donc il faut. Il faut effectivement
Now's our strike them down. How weak. Ouais, ils ont pas mal de PV quand même. Well, now. Paf, 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 paf. Pas tant que ça. Permet d'échanger son tour avec un ennemi contre une somme d'argent. En donnant des sous. Je sais pas combien ça va faire. Pas beaucoup. 137. Ouais. Vraiment pas beaucoup. Pin, 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 pin. Et un niveau. Un coffre. Je sais pas comment je l'atteins ça. Ah, ok, c'est par là. Il y a de l'eau quoi. Javelot venimeux. D'où il y a de la flotte dans l'usine, c'est pour rafraîchir. Allez, ça me va. Foudre et glace, aptitude d'inventeur. Lui qui attaque en premier. Vas-y. Ah mais ça fait vraiment pas de dégâts quoi. Mais par contre ça défonce la posture, c'est assez hallucinant. Ça marchera très bien contre les boss ça pour le coup. Ça défonce les postures élémentaires puisque tu le fais 3 fois là, vous voyez ça l'a fait 4 fois quoi. Ok. Ça change pas le nombre de flèches, ok. Faut pas se foirer comme ça Ikari. Oh. Hop. Hop. Pour ça, hein. T'as de silence. Aïe. Est-ce que tu crains la lance, toi? Oui. Voilà. Un peu plus forte capacité, donc on va y aller comme ça. C'était pas spécialement nécessaire avec Castim, on va le lui faire tuer des ennemis quand même. Alors, on va remonter tranquillement. On arrive au siège de la compagnie. Voilà. Dans ma jeunesse, j'ai été vendeur de minerais d'argent. Ah. L'entendez parler. Alors ça y est, tu vas faire ta transaction à 80 milliards. Ouais, et franchement j'ai hâte, pourvu que tout se passe sans anicroche. Jusqu'à présent, rien ne s'est vraiment déroulé comme prévu, donc c'est assez mal barré. Et puis vieux Rock, c'est un beau baratineur. Certains l'appellent la langue arc-en-ciel parce qu'il peut faire la pluie et le beau temps. Vraiment, quand il parle à Ferl, c'est presque de la magie. De la magie? Dans ce cas, de quel élément primordial tire-t-il ses puissances? Non mais moi je dis ça, c'est une image, une expression. C'est une image, une expression. Est-ce que c'est une ref, vous pensez? Ta-ta-ta-ta-ta. Une image, une expression. Alors, la lance, aptitude de marchand, aptitude d'inventeur, la lance. La lance. Catapult, go, go, go. Paf. Et ensuite, aptitude apprise, toi, hop. Ça dégage. Toi, tu crains.
fera le déchaînement. Allez. Voilà qui est mieux. Valuable insight. Pin. Je sais plus où j'allais. Là-bas. Non, j'en viens. Là-bas. Ok. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.